Je m'appelle Anaïs, j'ai 26 ans, je suis originaire de Grenoble et je suis en 9e année de médecine. Ça fait depuis 3 ans que je me spécialise en psychiatrie. Et à côté de ça, j'ai commencé à faire un diplôme universitaire de préparation mentale parce que j'avais trop envie de relier mes deux passions, la médecine et le sport. Et c'est dans ce cadre de préparation mentale que je suis tombée sur l'Académie de la haute performance et je me suis inscrite à ça aussi. Sur le domaine où ça m'a vraiment le plus marqué, c'est, je dirais, peut-être dans l'affirmation de soi, dans la capacité à dire non, dans la volonté d'être plus OK avec le fait de pas spécialement plaire aux autres. Ça, c'était une problématique qui pouvait être aussi handicapante dans le boulot au quotidien, je trouve, de vouloir plaire à tout le monde. Et là, être plus soi-même, je dirais, en fait. En fait, c'est en lisant le livre, moi, que j'ai découvert ça. Je crois que c'était juste des concepts que je trouvais que ça changeait vraiment de ce que j'avais vu jusque-là, en fait. Dans les concepts développés, je trouvais l'approche vraiment différente, en fait, des approches plus classiques de prep mentale et même de psychiatrie, de psychologie. En fait, c'était vraiment un truc, c'était vraiment très nouveau et ça m'a intriguée beaucoup.